Public People News People Learner avec. À 40 ans, je construis pleinement ma vie, Koadik Girek, Bestimare Natacha Saint-Pierre. L'éloignement de ses proches et de son public, à l'heure du Covid, il cesse doublé pour la star canadienne d'une rupture avec son mari. Pourtant, elle reste calme. Zen, soyons zen, oui, mais c'est une démarche volontaire. Dans une période angoissante, on a tendance à se recroqueviller, être proactif demande un effort. Se concentrer sur sa respiration, méditer, tout cela prend du temps. Idéalement, j'y consacre 2 heures par jour, ce qui n'est pas toujours facile. Plus globalement, j'essaie de ne pas pratiquer le yoga mais de le vivre. Oui, CEN est la partie concrète. On associe souvent la spiritualité au recueillement. Mais ça peut être plus que cela. Oui, cette sensation d'avoir traversé le pire, ce moment où je ne savais pas si Vicente survivrait, tout cela a pour conséquence que rien ne me semble vraiment grave. Mais j'ai mis du temps, je suis restée tendue des mois après son opération. Puis, le jour où il a eu 1 an, j'ai relâché les épaules et tout le stress de ses premiers mois de vie. J'ai commencé à étudier le yoga quand il était bébé. Non, mais nous partageons beaucoup. Je l'initie d'ailleurs à la méditation de l'amour, qui consiste à prendre un moment pour penser à tous les gens que l'on aime et les nommer. Cela provoque un état de bien-être. Ce n'était pas un vrai souhait, en effet. J'ai eu Vicente assez tard, à 35 ans. Me dire que la vie ne tournerait plus autour de moi me faisait peur. Je voulais avoir la certitude que je serais à la hauteur, ce qui est impossible. Durant ma grossesse, je cherchais des solutions avant même que les problèmes existent. Le futur m'angoissait. Je suis partagée, la peur de revivre la naissance d'un petit malade est présente. Et Lichou pourrait ne pas être aussi heureuse. Affronter ce qu'Ingrid Chauvin a traversé avec sa fille, je ne sais pas si Jen aurait le courage. En même temps, Jay grandit avec un frère que j'adore, j'aimerais que mon enfant connaisse ça. Avoir un second enfant, je suis partagée, mes parents ont veillé à ce que j'y aille une vie et pas juste un métier. Jay jouait aux billes, fait du vélo, des feux de camp avec mes amis. Malgré les cours de chant des 8 ans et les spectacles le week-end. Pas tant que ça. Je n'exprimais pas beaucoup mes émotions. J'ai toujours été très timide, ce qui peut parfois avoir l'air de snobisme. Non, en revanche, avec le recul, j'aurais aimé que certaines choses se réalisent plus tard. À l'Eurovision, j'avais 19 ans, je n'avais pas la maturité ni la distanciation pour savourer. J'ai d'ailleurs fait une dépression à la suite de cette défaite. Oui, mais j'avais toujours été en avance, au niveau sportif, académique et musical. Je n'avais jamais appris à perdre. Le vivre à 19 ans, c'est un peu tard. C'est compliqué. Je me partage entre les Landes et la région parisienne. Mais mon fils me dit qu'il a hâte d'être vacciné pour aller voir mamie au Canada. Quand on attend de se faire piquer, à 5 ans, c'est qu'il y a un manque. Vous savez, on est en perpétuelle croissance. On se développe même en tant qu'adulte. Parfois, on grandit différemment, cela fait aussi partie de la vie. Non, plus jeune, j'avais l'impression qu'à 40 ans, on était âgé. Mais je ne me sens pas vieille. Je ne suis pas à l'époque des bilans. Je construis encore pleinement ma vie. Vous dire que je le vis bien serait un mensonge. Mais je suis une adulte, je dois me raisonner. L'important, c'est le bien-être de Vicente, un enfant de 5 ans a besoin d'équilibre et il faut donc que je m'en sépare parfois. M'être séparée de mon mari fait partie de la vie. Rire, j'ai de belles relations autour de moi, des gens très importants. Mais je n'ai pas encore refait ma vie. Mon divorce n'étant pas prononcé, je ne peux pas me dire complètement engagée. Je suis séparée, dans un entre-deux. J'essaie de vivre au jour le jour, ce qui est le mieux en période d'incertitude. Comme le confinement nous l'a montré, un 10 février 1981, Natacha voit le jour à Bartust, au Canada. Enfant, elle ne rêve pas de scène.
Je voulais être vendeuse de glace à vélo, 2. 12 mai 2001, elle représente la France à l'Eurovision et obtient une honorable 4e place, qu'elle ressent comme un échec. 3. 13 novembre 2015, Natacha et son mari, Grégory Quillac, ont Bichente. Atteint d'une cardiopathie congénitale, il a été opéré bébé. Février 2021, ce 10 février, jour de ses 40 ans, elle sort yoga pour parents débordés, chez Flammarion. Propos recueillis par Maëlle Brun.